les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. Ça, c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied sur le terrain. Kylian Mbappé a sorti la sulfateuse mardi soir en conférence de presse. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Eh bien, pardon. Meilleur buteur dans le sac. Meilleur passeur dans le sac aussi. La mardi soir, Kylian Mbappé a vidé son sac sur le PSG en conférence de presse. Il a découpé son ancien président Nasser El Khelaïfi qui, selon lui, l'a menacé violemment de ne pas jouer de la saison car il ne voulait pas prolonger son contrat. On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on me l'a fait passer par médias interposés, on me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit, donc pour moi j'étais persuadé que j'allais pas jouer. Il a dit qu'il n'était pas malheureux au PSG, mais que des gens l'ont rendu malheureux. Au PSG, j'étais pas malheureux parce que ce serait craché dans la soupe et ce serait craché au visage de tous ces gens qui m'ont défendu, qui m'ont accompagné. Il y a des choses qui me rendaient malheureux et un joueur comme moi, avec cette envergure-là, ne peut pas montrer quand il est malheureux. Parce que j'étais un leader dans cette équipe, j'étais quelqu'un que les gens suivaient. Donc si le gars que tu suis est malheureux et traîne son spleen, c'est compliqué à suivre, on ne suit pas un gars comme ça. Il trouve que malgré tous ces événements, c'est la meilleure saison de sa carrière. Ok. Si on parle vraiment que techniquement, en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi, mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. Des déclats qui, tu t'en doutes, n'ont pas plu au PSG. L'AFP a eu un accès à une source du club parisien proche du président et cette source a dit les termes à son tour. Mbappé n'a absolument aucune classe. Nasser El Khelaïfi n'a jamais dicté la moindre décision à l'équipe. Luis Enrique l'a dit lui-même, mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c'était la vérité. Reste à savoir maintenant si le PSG et surtout son président va en rajouter. Attention Nasser, hein, car si tu t'en prends à Kiki, j'en connais un qui va venir le défendre. Peut-être même avec l'armée, hein, on sait pas. Le président Emmanuel Macron et Kylian Mbappé n'en finissent plus de se voir, de se parler, de se faire des petits câlins, et même des checks de l'épaule. Oui, voilà. Un check qui a inspiré les gens sur X. Mbappé, c'est vraiment le main caractère qu'il pense être. Comment ça, tu checks le président de l'épaule? Mais vous êtes sûr que c'est le président? Ça fait une semaine qu'il est à Clairefontaine. Je vous jure, j'en peux plus. Fait partie du staff ou quoi? Passons d'un joueur du PSG à un autre, car oui, Mbappé est encore sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin. Pareil pour Keylor Navas du coup, qui vient de se faire accuser purement et simplement de travail dissimulé et mauvais traitement. BFM TV a rencontré son ancien employé, son ancien homme à tout faire, qui veut porter plainte contre lui. Selon les dires du gars, le futur ex-joueur du PSG l'aurait employé entre 60 et 90 heures par semaine pour un salaire mensuel de 3200 euros payé en liquide. Tout ça aurait été fait dans l'ombre, bien évidemment. L'employé n'aurait donc pas été déclaré à l'assurance maladie, aux impôts, etc., etc. Pas de fiche de paie, des conditions de travail dangereuses. Keylor Navas lui aurait dit ça au moment de son embauche en Scred. On ne travaille pas avec les lois françaises ici. Pas de contrat français, je vous paie en cash. On travaille avec mes règles. L'employé était logé, selon lui, dans un sous-sol humide, sans fenêtre et infesté d'insectes. L'une des missions de cet homme à tout faire était également d'assurer la sécurité de Navas. Le costaricien voulait qu'il porte une arme afin de protéger sa résidence. L'employé avait donc un fusil à pompe et le joueur, parfois, s'en servait lui-même pour le plaisir ou bien pour le montrer à ses invités. Il lui arrivait de tirer, comme ça, dans sa propriété, juste pour se faire plaisir ou montrer à ses amis. Bref, c'était l'homme à tout faire de Navas. Sauf que Keylor, le travail dissimulé, mais surtout le port d'armes illégal de ce type de fusil, c'est passible de prison. Jusqu'à 5 ans de prison avec grosse amende pour le port d'armes illégal. Attention, Keylor a pas rentré dans la team des footballeurs devenus prisonniers, c'est pas ouf comme reconversion. Pas drôle du tout même. D'ailleurs, rafraîchissons-nous la mémoire avec quelques joueurs passés par la case prison. Le plus récent et le plus connu, c'est bien évidemment Dani Alves. Il a été condamné en février à 4 ans et demi de prison pour viol d'une jeune femme en 2022 dans une boîte de Barcelone. Il a été libéré sous caution en attendant son procès en appel et en l'échange d'1 million d'euros. Benjamin Mendy lui avait été incarcéré entre septembre 2021 et juillet 2023 pour accusation de viol et agression sexuelle avant d'être finalement acquitté et libéré immédiatement. En 2016, Adam Johnson a lui été condamné à 6 ans de prison pour attouchement sexuel sur une mineure. Il a été libéré à la moitié de sa peine en 2019. Toujours en Angleterre, en janvier 2022, Mason Greenwood avait été accusé de violence conjugale et tentative de viol sur sa compagne et donc placé en détention provisoire avant d'être libéré sous caution. Il a depuis repris sa carrière de footballeur. En 2008, Joey Barton avait pris 6 mois de prison lui pour agression mais n'avait fait que 74 jours de placard avant d'être libéré. Revenons en France, Souleymane Diawara est allé en prison lui pour une raison presque similaire,
victime d'escroquerie, il décide de se faire justice lui-même, sauf que saoulé, ça marche pas comme ça la vie. Mauvaise idée puisqu'il fera 2 mois et demi de détention provisoire et sera condamné à 3 années de prison dont une ferme. Un épisode qui mettra fin définitivement à sa carrière de joueur.